Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans Resident Evil 2, dans... en fait c'est le remake 2019, dans l'épisode... c'est quel épisode déjà? Pas l'épisode 8, peut-être l'épisode 9. Si c'est pas 9, c'est 10, ou si c'est pas 10, c'est 9, bref. Donc un de ces épisodes, puis dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... pour tout faire franc, on était rentré dans une espèce de laboratoire où il y avait des patients. Puis chaque patient avait un bracelet. Puis chaque bracelet, en fait, avait une restriction qui nous permettait de... En fait, chaque bracelet avait une restriction dans le sens que si j'étais un patient, je pourrais aller seulement dans les salles de patients et les employés normaux pourraient aller dans les salles des employés. Tandis que, comme là, vous allez le voir, j'ai un bracelet d'employé. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Vous avez compris. Donc, étant donné que je suis pas de cadre supérieur, je peux pas y accéder. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, avant de finir le jeu, ou plutôt avant de, ben, c'est ça, avant de finir l'épisode plutôt, je pardon pour ma malfaçon façon de parler. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un code, puis j'ai mis un code sur l'ordinateur, si c'est bien l'ordinateur. Puis ça va ouvrir une porte ou plutôt une échelle, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'y rendre. J'espère juste que je vais pas tomber sur un monstre. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ouais, c'est parfait. Là, on est dans le biz en business. J'espère que je vais pas tomber sur la plante. Oh shit! Grouille-toi, Lion! Lion ou Lion, peu importe. Comment tu veux que je t'appelle? Ok. Oh, il y a une porte ici ou. Ah oh, ouais, il y a quelque chose, on dirait. Par contre, je sais pas si c'est sécuritaire. Oh! Comme c'est joli! De la poudre noire. Plan du labo honnête. Oh, c'est tout? Oh, ben là, vous êtes chien, là! C'est quoi ça? Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres choses. Bref, c'est pas grave. Au moins, on a eu quelque chose. C'est ça le plus important. On est où, là? Ok, salle des serveurs. Ok, le salon. Ok, je pense que je vais prendre ça en attendant. Ok. On va voir la salle des serveurs premièrement. Ça a l'air d'être barré. Ouais, y a pas d'électricité ou il n'y a pas de connexion plutôt. Ok. Avant d'aller dans cette pièce. Oh, c'est quoi cette merde derrière? Oh. Waouh! C'est quoi ce massacre? Non mais c'est comme... Il y a tellement de sang partout. Et donne-moi ça. Je sens que j'aurais besoin de mon shotgun. Oh wow. Ok, il y a une arme en plus ici. Non, je sais que bientôt ça va plus rigoler. Je le sens pas. Je le sens pas moi. Oh my god! Je m'en doutais en plus. Oh my god! Ok. Oh my god! Je savais que ce connard allait venir. Faudra que je vérifie par contre s'il y a d'autres trucs après. Là-bas. Ok. Je commence mieux à comprendre ce Resident Evil, puis c'est comme les autres. Le mieux, c'est de toujours éviter les zombies. C'est seulement au moment où on doit les affronter qu'on n'a pas le choix, qu'on les... Oh shit! Il y en a combien qui vont sortir? Peut-être je suis un peu trop pressé. Ok. Bon.
Waouh. Oh, vous... Mais ta gueule, merde! Putain de merde. Oh, waouh, ok. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner ça avec ça, voilà. Je vais pas prendre le modulateur pour l'instant. Pourquoi? Parce que... Oh wow. C'est quoi ça? Ouais. Mais pourquoi je l'ai pas pris? Putain. Ok, ça c'est un peu endommagé, bref. Ok, waouh. Waouh, waouh. Je m'attendais pas à ça du tout. Oh, waouh. C'est quoi ça? Oh, c'est ça. Ok. Est-ce que je le combine? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pièce. Après, c'est barré, on dirait. Oh, ok, je vois. C'est barré depuis l'autre côté. Je vois, je vois, je vois. D'accord. Ok. S'il y a une zone pour les objets, ben je pense que je vais passer par là. Avant de... Ok. Ok. Bon. On va mettre ça là en attendant. Pas. Je prends ça, cartouche vide. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire avec les grenades. Oh, je prends yo shotgun. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je combiner ces deux-là ensemble. Ça donnait quoi? Beaucoup de balles, j'imagine. 58. Waouh. J'ai bien fait d'attendre. Bon, ce que je vais faire ensuite, c'est que les cartouches de fusil, je vais laisser ça en attendant leur inventaire. On va laisser comme ça. Mais après ça, je pense que c'est tout. Je vais laisser comme ça. Attends, c'est quoi la note? Oh, Yak, je savais déjà, tu m'apprends tellement rien. Je me disais que les brûler, ça aurait été mieux. Attends, mais où le modulateur? Ok, j'arrête, je sais même pas ça sert à quoi. Umbrella Electronic Power. Je pense que c'est même pas utilisé pour maintenant. Puis moi, je suis en train de perdre mon temps à essayer de faire quelque chose d'aussi stupide. Oh, wow. Ok. PC cadre supérieur. Terminal de contrôle de la serre. Moi, je suis où là? Ok, je suis dans la, le lobby. Panneau électrique. Je pense qu'il faudrait que j'y retourne. Mais je suis même pas sûr que c'est une bonne idée.
Bref. Allez, je vais prendre un... Ah, avance! Moi, je voulais boire un café, mais... C'est comme ça que je peux même pas le faire en même temps. Ascenseur principal. Ouais, c'est ici, bon. Allez, continue. Ça me tente pas vraiment de revenir ici, mais j'ai pas le choix, on dirait. Oh. Oh shit, j'ai gaspillé des balles pour rien. Fudge! Oh, ok, j'ai compris. Il faut que je fasse sur la fréquence MUF. Oh, ça me donne mal à la tête, je vous jure. Et voilà. Oh wow. Merci. Merci. J'avais pas le choix. C'était moi ou lui. Et c'est certainement pas moi. Oh fudge. Je commencerai pas à gaspiller une balle pour une petite affaire comme ça. Note de Lil... De quoi? De Wayne, les jets de Lil Wayne. Ok, je vais pas le lire parce que... Non. Je vous laisse le lire. Oh, wow. J'ai encore envie. Oh, wow. Ok. Ok, il est mort. À moins qu'il décide de se lever d'un seul coup, là. Là, ce sera une autre histoire. Ok, mais donc c'est tout? Je m'attendais à autre chose quand même. Ok. Peu importe. Attendez. Non. Ok, donc ici on a au moins à régler, il n'y a plus rien à faire. PC cadre supérieur, terminal de contrôle, système de pulvérisation, salle de contrôle. Non, je pense pas que c'est ici. Ok. Faudra que j'y retourne de toute façon. Bon, ben, retournons encore dans l'escalier lugubre qu'on était à l'heure. C'est ici, je pense. Je suis même pas ici. Non, c'est pas là. C'était encore moins là. C'était où exactement? Oh! Qu'est-ce que je raconte? Je suis tellement stupide. Fallait de toute façon que je passe par là. C'est drôle, tout ça me fait penser au Resident Evil dans le film. Le film. La celle avec Alice, là. Je sais qu'il y a du monde qui
aime pas vraiment le vrai film, mais pour, dans le sens que ça me fait penser à Resident Evil 1 dans le film. Vous étiez dans un laboratoire. Ils ont un peu mélangé certaines affaires. Je sais pas si c'est le film ou si c'est le jeu, mais bref. Ok, donc on rentre dans le lobby. L'affaire, c'est que c'est dans la salle de conférence ou je devrais continuer là-bas. Dans le cas actuel des choses, je pense que le mieux, ce serait de sauvegarder. De toute façon, la sauvegarde est gratuite. Là, je vois pas le problème dans toute cette histoire. Bon, on va pas faire les mêmes erreurs. Déjà, premièrement, on va penser à prendre des balles, parce que franchement, 8 balles, c'est pas ça qui va nous aider, là. Mais vu que je veux de l'espace dans mes trucs, on va les laisser là. D'ailleurs, le golden que j'ai eu, là, franchement, il sert à quoi? Bon, on devra faire plus attention à l'avenir, sérieusement. Je peux l'admettre, j'ai foiré grave. Ok, donc c'est ici, si j'ai bien compris. Oh, fais pas semblant, s'il vous plaît, de faire comme si je t'avais pas remarqué. Apparemment, des fois, on dirait que les sauvegardes sont les mêmes, hein. Même si, qu'est-ce que j'allais dire? Même si je suis mort. Parce que dans les autres Resident Evil, des fois, les trucs, il y a des parties dans les jeux qui étaient différents. Je sais pas comment vous l'expliquer, là, parce que vous avez l'air d'être comme, hein, de quoi il parle? Pour faire plus simple. Est-ce qu'il va avoir la même quantité de zombies ou de monstres dans la même pièce? Est-ce qu'ils vont être, ils vont faire exactement les mêmes choses? C'est ça que je voulais dire. Bon. Ok, déjà, on sait qu'ils vont que c'est sur Murph. Bon. Wow. Il y a combien de ces choses qui se baladent ici en ce moment? C'est une des questions que je me pose. Oh, je me calme. On a beau être dans un laboratoire en ce moment, ça me fait toujours aussi peur d'être ici. Lui, l'avantage de courir, le connard de zombie. Alors que moi, je suis obligé d'être cloué au sol. My God. Ok, il aurait pas pu penser à mettre un peu plus de lumière, s'il vous plaît. Tout de même, là. Je vois rien. Bon, moi, je vois mieux, là. Oh, wow. Ça me rassure pas, tout ça. C'est quoi, cette affaire-là?
Attends, il doit avoir un code ou quelque chose comme ça. Attends, je vais gagner le prix Nobel. C'est quoi cette affaire-là? Oh, fudge! Il y avait un code. J'ai même pas remarqué, je suis stupide. Donc il faut aller là-bas avant. On est venu ici pour rien. Comme d'habitude. Oh non, je dois ressortir encore ici. Ok, on va se préparer. Bon. Oh, fudge. Je vais pas laisser en plus, André. Ok. Bon. Donc, dans le fond, ce qu'il faudra faire alors, c'est qu'on devra mettre le code. Ça va ouvrir une autre porte, si je me trompe pas. La porte... Il faut aller jusqu'à là-bas. Ok. Ok, donc c'est quoi le code pour ça? Ok, sur le côté, ok. Pas sur le côté, ben, moi je me comprends. Là, qu'est-ce que je veux? Ok. Ah, fudge! J'ai pas une bonne mémoire du tout, c'est pour ça que j'ai écrit l'autre fois. Attendez, je suis sûr que je suis capable de me rappeler. Ok. Ok, là, je me rappelle. Ah, fuck, je me rappelle pas. Ah, pourtant, je suis bon à ce jeu-là. Pour le jeu de mémoire. Je pars en vacances, j'apporte. En tout cas. Ah, voilà, c'est ça qui me manquait. Okay, je pars en vacances, j'apporte cette affaire-là, j'apporte cette affaire-là, j'apporte cette affaire-là, j'apporte cette affaire-là. Il y a que j'ai foiré le troisième. Oh, puis parlons même pas du quatrième. J'espère que c'est ça. Une chance. Drug testing lab, ok. Ok, sur la carte, on est où alors? Ok, ça c'était déjà ouvert techniquement, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok, ici, absolument rien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la salle des serveurs? Non, Jog Testing Lab. Ok, ça c'est ici. Nous, on est où là? Si on se fie bien à ça, la salle de contrôle... Oh, ok! J'ai compris. C'est juste à côté, en fait. Ok, donc c'est ici, en fait, qui a été ouverte. Ok, bon. Comment on est censé faire ça?
Comment je suis censé savoir si le volume est suffisant? Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. La cartouche, elle est où? Et ça, c'est pour... Je cache plus là. Hein? Je cache pas. Ok, donc si j'ai bien compris, peu importe le contexte, il faut que ça arrive sur la ligne rouge, si j'ai bien compris. Donc, pour s'y faire... Ouais, c'est ça... Eh ben, ça veut dire qu'on avance beaucoup, là. Oh my god, je déteste ce genre de truc. Allez, on se concentre. What the fuck? Comment je fais? C'est cette petite boule là qui va être nécessaire pour mettre cette affaire là. Le truc c'est que... Faut que je me débarrasse de ça. Oh my god! Non! Peut-être que ça... Non, ça va déborder, je sais. Pas déborder, mais ça va être trop. Oh non, j'ai rien dit. Quoi encore? J'ai bien fait ou j'ai mal fait? Oh, j'ai bien fait. Ok, mais pourquoi tu me faisais tint comme si j'avais fait quelque chose de mal? Ok, cette affaire-là, elle me sert plus à rien, on dirait. Je vais le jeter parce que c'est sûr que j'ai plus besoin. Ok, injecter le volume nécessaire UDMB, refroidir immédiatement. Je m'en doutais. Donc, je peux pas l'insérer directement. Il faut que j'aille dans la chambre froide, si on peut. Oh, shit. Leon m'a fait peur en respirant. C'est con, mais le pire, c'est que c'est la vérité. J'ai vu qu'il y avait un truc de sauvegarde. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un mauvais pressentiment. J'aime pas être pessimiste, sérieux. Ok, il va rien se passer. Ok, une chance. Bon. Donc maintenant, on va aller dans la chambre froide des routes. Je pense qu'elle est là-bas, si je me trompe pas. Non, pas ici. La B2, je pense. La B2 est où? Elle est là, ok. Donc on va aller ici maintenant.
Pour s'y faire, il faudra aller par là. Ouais, c'est le chemin le plus rapide. Oh! Ok, il était encore là avec l'autre. Ok, c'est parfait. Ben, parfait. Façon de parler, là. Au moins, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'autres zombies. Ok, c'est pas ici. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas kicker la porte. Enfin, je pense. J'ai su essayer de kicker la porte. Vous voyez, je peux même pas kicker, c'est bête. Au moins dans les autres Resident Evil, je pouvais. Non, je peux même pas, c'est bête. Ils ont dû penser à ce détail. Faut pas le laisser rentrer au moins. Oh my god! Pourquoi j'ai utilisé la balle, à mon avis, c'est parce que je veux récupérer le couteau. Bon. Bon, lui, je le chasse pas, celui qui est à terre. Je sais qu'il va se lever quand il voudra. Bon. Évidemment qu'il fait froid. Tu penses qu'il fait chaud? Bon. Refroidissement en cours. Jure. Refroidissement complet. Ok. On va voir que c'est une machine. Bon. Allons pulvériser ces maudites herbes. Attendez. Ok, je peux plus. Oh, lui là. Je vous dis, quand il voudra se lever, il va le faire. C'est pas une affaire de. C'est juste pour un décor. Si je dois revenir ici, il va le faire. Ok, bon. Oh my god, j'ai peur. J'ai un mauvais pressentiment, alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre tout ce qui est vraiment utile.
pour se battre. Ouais. Puis je prends encore un autre comme ça au cas où. Bref, je pense que c'est tout. Là, on est bien armé. Ça, par contre, je vais le laisser là. Puis on va sauvegarder. Ouh. Je me demande qu'est-ce qui va se passer après avoir mis l'herbe ici à l'intérieur. Donc, c'est par là qu'il faut passer? Non, je viens juste de... Je suis tellement stupide, je viens juste de passer par là. À un moment donné, j'ai l'impression que cette affaire-là va se casser. Ben, la vite en tout cas. Bon, on va aller détruire ces maudites plantes. Quoi? Pulvérisation de solution en cours. Putain, ça me fait peur. Ça a marché. Oh, parle pas trop vite, mon cher. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Qu'est-ce qui va se passer? Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Ta gueule, sérieux, là. Ok, donc. Puce électronique. Merde! Encore lui! Oh, lui, il m'énerve, c'est... Oh, il faut que je me calme. Mais qu'est-ce que je fais? Cours, fils de pipe! Si j'essayais de courir, il marchait pas. Que de niveau 3. Il m'énerve sérieusement celui. Ah, si je pouvais me débarrasser. Ok, on scam. Ok, ici on a vérifié tout. Ici là, ouais. Ouais, on a vérifié tout. Le lobby, on a déjà vérifié. Ok, il va rester là, en fait. Il y aura peut-être... Cadre supérieur, il y a peut-être ces endroits-là. Non, attends. Attendez. Il y a la salle des serveurs. Que j'ai pas encore accès. Je sais pas si je peux m'y rendre. Salle de sieste, on est déjà allé. Ok. Dans le fond, on est déjà allé ici. Il va manquer cette pièce-là, en fait, pour s'y rendre. Puis après ça, il y a... en fait, c'était où? La zone ouest, voilà. J'ai pu avoir... Est-ce qu'il faut une auto... Est-ce que c'est à cause des autorisations que j'ai pas eu? La salle des serveurs... Oh, fudge, j'aurais peut-être dû passer par là. Fudge! Oh non! Trop tard. Ok. On va aller voir la salle des serveurs, c'est pas grave. En passant par là. Pourquoi j'ai pris le magnum? C'est parce que c'est la seule affaire que je peux l'utiliser contre lui, qui marche. Puis j'avais vraiment pas envie
De l'affronter encore, il me fait chier. Je vais garder cette arme plutôt. Ok, les deux sont morts. J'espère que c'est pas le cas de l'autre qui est là. Pourquoi il faut toujours qu'il m'attaque? Ok, ici c'est pas une salle super importante. C'est seulement que c'est une salle pour prendre des trucs. Ok. On va re-sauvegarder, même si j'aime pas ça trop sauvegarder souvent là. Mais vu que j'arrivais jusqu'ici, j'ai pas envie de me crever encore. Yo, ce gars là il ressemble trop au Nemesis quand j'y pense. Ah, toujours nous courir après là, waouh. Bon. Ok, poudre jaune supérieure. Je vais être franc avec vous, j'ai tellement besoin de poudre, et puis j'ai besoin de... En fait, de ces deux-là. Je vais les combiner ensemble. J'espère que je le regrette pas parce que c'est seulement 5 balles que j'ai eu. Oh waouh. Ok. Ok, ça me fait vraiment peur, sérieux là. Waouh. Je préfère mieux que le boss, ou plutôt celui qui nous court après, il vienne ici, sérieux. J'ai pas envie qu'il... Yeah.
Non! M'en fous du couteau. Oh. C'est juste un couteau. Je vous jure, j'espère ne pas tomber sur lui. Waouh. De toute façon, je suis préparé avec mon magnum. Ah, ça fait vraiment peur. Ok, il faut que je m'en vais dans la zone ouest. Bon. J'espère que l'échantillon est là. Et moi j'espère ne pas mourir. Et que l'autre n'est pas là. Oh my god. Mais d'ailleurs s'il vient là, comment il va faire pour venir jusqu'ici? À part s'il prend ce chemin. Parce que je vois pas d'autre chemin pour se rendre jusqu'à là-bas. D'ailleurs si c'est le cas, ce serait cool. Oui, il y a quelque chose à toi. Cassette vidéo du laboratoire. Oh, il y a autre chose aussi. Ok, c'est bon. Ils ont mis le couteau en priorité. J'espère qu'ils font la même affaire qu'avant. Ok. Avant de faire quoi que ce soit, je mets pas la lumière. Je veux voir s'il y a des items. J'ai le sentiment qu'il va se passer un truc sérieux là. Et que c'est pas une joke. Il me donne tellement de plantes bleues. Que je me pose pas la question parce que l'autre fois j'ai tellement eu besoin de ces plantes. Oh my god, tout ce stress. Je peux pas m'empêcher de pas parler. Honnêtement, en ce moment, ça me fait vraiment peur. Ok. Et une chance encore, je joue pas vraiment totalement dans le noir. Ou plutôt dans le jour. Ok, c'est os maintenant. Je le sens pas, moi. Je le sens pas du tout. Oh, waouh. Je le sens pas du tout. J'ai quelque chose. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Non. Je veux voir si qu'est-ce que j'ai. J'espère ne pas avoir besoin de ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je pense que c'est tout. Dans le fond. Planche de bois, non, non, non. Ouais, il n'y a vraiment plus rien. Ok. Oh, une cassette vidéo.